Bonjour les amis. Alors écoutez, en ce moment, la nuit, j'ai vraiment pas la frite. Alors il faut que je me réveille, il faut que je me batte contre cette nostalgie qui m'envahit. Je fais des cauchemars. Quand on a un cancer et ceux qui en ont, je pense que c'est normal. Mais jusqu'à présent, je suis arrivé à me battre. Je vais continuer à me battre. Je vais faire abstraction de tout ce qui me révolte en ce qui concerne le coronavirus, les morts qu'on laisse. Ce qui se passe. Alors, pour ce faire, dorénavant, ça ne sera plus du tout sur mon YouTube. Ceux qui m'envoient des informations très intéressantes, je les renvoie sur Facebook. Il y a les titres de mes les adresses de mes Facebook. Vous trouverez ça là-dessus. Il y aura les adresses de mon Twitter que je n'utilisais jamais. Et de manière à rester focus uniquement sur le cancer, sur le combat que je mène pour le cancer et sur votre information sur ce que je fais pour mon cancer. Alors, qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? La nuit, je me réveille avec des cauchemars. D'abord, je suis mort, je suis envahi de métastases, je vois tout en noir, la nuit c'est noir et je vois tout en noir. Le matin, ça va mieux. Avant-hier, c'était terrible. Il y a 3 jours, c'était terrible. Pas dormi une seconde. Certains me font la réflexion sur mes vidéos en me disant que j'ai l'air triste. J'étais effectivement triste et fatigué. Hier, ça allait beaucoup mieux. Avant-hier, plutôt, ça allait beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce que je me suis mis les visiteurs, le 1 et le 2, et à la fin, j'étais tellement bon. Donc, j'ai ri, bien sûr. Et à la fin, j'étais tellement crevé, donc je me suis endormi, donc c'était bien. Hier, j'ai essayé de refaire la même chose. Pas possible de m'attacher à un film, à une série, à quoi que ce soit. Et je ruminais dans ma tête des trucs plus noirs les uns que les autres. Donc, de ce fait, ce matin, les amis, ça va changer. C'est la dernière fois. Alors, je veux vous dire simplement à ceux qui font comme moi, à ceux qui sont abattus, à ceux qui se laissent aller, ne vous laissez pas aller. Je réagis et je vais vous raconter ma vie d'aujourd'hui. C'est mon dernier repas avant un jeûne prolongé de manière à être en super forme lors de mon CT scan et de ma scintigraphie. Merci les amis, voilà pour cette petite vidéo et je vais vous montrer ce que je fais et il y a des trucs que je suis bien content de faire, c'est des trucs. Et je suis bien content que mon épouse ne soit pas là. Je l'ai laissée à Miami et je vais vous expliquer pourquoi. Merci les amis. Très bonne journée.